C'est un très, très vieux film et qui montre que malgré que c'est un film qui a un certain âge, il met en évidence que ce Bobat, que Madame Bobat avait développé il y a 20 ans, est encore, a déjà les rudiments du Bobat de l'heure actuelle. Parce qu'elle avait déjà bien compris que ce n'est pas le traitement en soi qui est simplement ou seulement fondamental, mais que c'est également, je dirais, la gestion à domicile. Cette continuité est atteinte parce qu'il y a eu une éducation de la famille, qui est non seulement la mère, mais la sœur. Et je suis certain que s'il y avait d'autres membres de la famille, ils auraient été impliqués également. Que dans certaines circonstances, le père est très impliqué aussi. Mais qu'il y a, entre le traitement, une continuité dans la gestion quotidienne. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que le matériel à domicile, le matériel le plus élémentaire, le plus disponible, est utilisé. Ce qui veut dire que c'est l'enfant qui doit s'adapter à l'environnement, mais ce n'est pas l'environnement qui s'adapte à l'enfant. Et ça, je dirais, c'est une qualité sine qua non. Bonjour le bébé. Bonjour le bébé. Bonjour le bébé. Il faut tout un temps pour que tu te réveilles. Hein. Il faut tout un temps pour que tu te réveilles. Hein. Bonjour le bébé. Ce nourrisson est déjà capable de redresser la tête, d'ouvrir les yeux, de réagir à la parole et au son. Il est collaborant, s'ouvre à la communication, au dialogue et à l'échange. Tu vas te rendormir. Tu vas te rendormir. L'approche Bobat est une manière différente d'observer et d'analyser les problèmes de l'enfant dans son environnement, quel que soit son âge, d'y répondre en tenant compte de tous les aspects qui le concernent. Dans une perspective d'examen, manipuler un enfant de manière brutale, purement réflexe, ne lui permet pas de donner le meilleur de lui-même. Le ménager et l'approcher de manière douce et adéquate lui permet de s'organiser et de répondre de manière adéquate aux stimulations extérieures et donc d'apprendre. Ces observations nous permettent de confirmer un développement normal, tant sur le plan intellectuel que moteur. Elles doivent bien sûr tenir compte de la réalité propre de chaque enfant. Tu cherches ta bouche, hein? Tu cherches ta bouche, hein? Tu nous dis encore comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Michael. Et tu as quel âge? Quel âge tu as? 4 ans. Michael est un enfant né prématurément. Il a 4 ans. Il est handicapé des bras et des jambes. Son développement intellectuel est normal par rapport à son âge. Tu tiens, hein? Oui. Allez, je te mets debout. Je te mets debout. Oui. Placé debout, il s'assume sur les jambes tendues de manière rigide, au détriment de ses bras avec lesquels il s'agrippe. Encore un peu ici? Encore un peu. Tu vas te rasseoir là. Je vais te rasseoir là. Je vais te rasseoir là. Montre un peu comment tu tiens assis. Voilà. Montre un peu. Tu me donnes une main. L'autre main. Voilà. Je te donne la poupée maintenant. Tu lui mets sa tute. Michael est capable de tenir assis seul. Dans cette position, il manque encore d'équilibre. Il peut toutefois libérer les mains et manipuler de manière grossière. Tout son corps se fléchit. Il préfère manipuler à droite. Nous observons qu'en même temps, la cuisse et le bras gauche se raidissent. Voilà. Alors tu mets la poupée à côté de toi. Dans cette situation, l'utilisation du côté gauche est condamnée. Très, très bien. Tu l'attrapes? Allez, essaie de l'attraper. Encore. Michael est capable de ramper au sol. Il compense la passivité de ses jambes, de la tête et des bras. Il est plus performant à droite qu'à gauche. Ce qui a pour conséquence que les jambes s'étendent et se raidissent, surtout la gauche. L'utilisation des bras se fait au détriment des jambes. Oui, tu tournes sous le dos. Il est incapable de se mettre à quatre pattes. Parce qu'il manque d'appui sur les bras et que cet effort renforce encore l'extension des jambes, ce que nous avons déjà pu observer en position debout et au rampé. Tends-moi cette main-là. Encore.
Voilà. Bonjour, Michael. Encore. Voilà. Très, très bien. Encore. Tu souffles bien fort. Ouais. Chaque effort, même la respiration, augmente le tonus de ses membres. Les jambes s'étendent et les bras se fléchissent. Allez, hop, tu te lèves. Voilà. Voilà. Bonjour, Karine. Bonjour, Michael. Oh, oh, oh. Où tu vas? Voilà, voilà. Très, très bien. Encore, 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 encore. Bien, 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 bien. Tu tiens, tu tiens, tu tiens. Voilà. Tu relèves, tu relèves. Ça, ça. Tu relèves, tu relèves, tu relèves. Encore. Encore, Michael. Les bras, mon vieux. Oui, c'est très bien. Pousse un peu le ballon. Ça, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Bouge un petit peu. Oui, c'est très bien, ça. Comme ça. Ça, c'est magnifique. Aider Michael, dans une optique bobat, c'est lui permettre d'être actif sur ses jambes, notamment en position debout. Au fur et à mesure qu'il s'assume dans cette position, il redresse le tronc, libère les bras. Il est à présent mieux préparé à assurer d'autres activités. Voilà. OK. Et tu repousses. Allez, allez, hop. Pas mal, ça. Encore. Encore. Oui. Encore. Et tu le pousses. Oui, très bien, ça. Très, très bien. Oui, très, très bien. Alors, regarde ici, hein. Regarde, Michael. Cette activité permet à l'enfant d'améliorer le contrôle de tronc et d'utiliser plus librement les bras. Voilà. Tu pousses bien. Encore. Allez, c'est cela le prépare au jeu, à la manipulation, à l'écriture et éventuellement, à plus long terme, à un déplacement à l'aide de canne. Doucement. Encore. Michael, Michael. Oui, encore. Oui, en avant. Oui, en arrière. Voilà, en avant. Oui, en arrière. Ça, c'est bien. En avant. Très, très, très bien. En arrière. Voilà. Oui, parfait. En avant. Oui, en arrière. Oui, encore, tout droit. Ici. Encore. Encore. Voilà. Très bien, ça. Encore. Voilà. Encore. Non, non, non. Bien. OK. Doucement. Allez, à toi, le ballon. Oui. Encore. Ça, c'est très, très bien. OK. Oui, ça c'est très très bien. Qui va essayer de lire dans ce livre? Moi, moi. Ah, Michael a retrouvé sa langue. Voilà, tu vas me lire tout ce que tu vois ici, d'accord? Tu vas me donner un nounours? Allez, montre-moi un peu. Ah, il y a un nounours. Et qu'est-ce que tu vois encore? Qu'est-ce que tu vois encore? Un nounours. Et qu'est-ce qu'il fait le nounours? Qu'est-ce qu'il a sur lui? Alors? Qu'est-ce qu'il a? Il a une couverture. Et tu sais le titre de l'histoire? Tu l'as deviné en regardant l'image. C'est la couverture de Teddy. C'est le nom du petit ours. C'est l'histoire. Michael a trouvé le titre de l'histoire. Il a su lire l'image. Bilal ne déchire pas. Alors vous allez tenir votre feuille comme moi? Oui! Oui, allez, prenez votre feuille comme Pilou. On la retourne. Attends, accompagner l'enfant dans sa vie quotidienne, à l'école et notamment en classe, permet de renforcer les acquis et le potentiel mis en évidence en thérapie. Putain. Alors, c'est toi qui as la deuxième phrase. Et puis, quand il a bien mangé, qu'est-ce qu'il fait, le petit lapin? Il fait des crottes. Il fait des petites crottes. Qui est-ce qui doit avoir cette phrase-là? Moi. Ah, nous. Après Bilal, qui est-ce qui vient à table? Frédéric, c'est bien. Est-ce qu'il dort, là? Non, il est fatigué. Il est fatigué. Et que fait-il, Caroline? Il est paresseux. Attends, la première. Il est paresseux. Il est paresseux. Et quand il met sa patte devant sa bouche, qu'est-ce qu'il fait? Comme ça. Il baille. Il baille.
Et il est tellement paresseux qu'il n'arrête pas de bâiller. Et il arrive même à s'endormir. Qui est-ce qui a la deuxième phrase de l'histoire? Michael, raconte un peu toi. Lis un peu ton histoire. J'adore, mais il ne voit pas même les souris qui viennent chez lui. Il ne voit même pas les souris qui viennent chez lui. Et combien de souris viennent jouer près de lui? Deux souris, et il y en a une qui s'est même montée sur le dos. Sur le dos de Misty Gris, tellement il est paresseux et qu'il dort, Misty Gris. Et qu'on n'est pas que les souris viennent chez lui. C'est même pas que les souris viennent chez lui. Il dort tellement profondément qu'il n'entend rien, il ne voit rien. Et puis, est-ce qu'il a bien écouté le chien, Misty Gris? Est-ce qu'il a écouté la leçon que le chien et la vache lui ont donnée? Est-ce qu'il a fini par attraper une souris? Oui. Oui, chez qui? Chez moi. Ah, chez Caroline. Il l'a pris ses dents. Il l'a entre ses dents, oui, mais il ne la mange pas. Il va la déposer dans le jardin, chérie. Et mon petit nounours qui fait de la musique. Tiens, écoutez un peu la musique de Michael. Tiens, Michael, tu tires. Voilà. Et vous vous reposez un peu. Mettez la tête sur la table. Reposez-vous un peu. Vous êtes très fatigué. Vous avez bien travaillé. Tu vas aussi te reposer, Dylan. Voilà, tiens. When I first saw these children moving with great difficulties and abnormally, and such stiff children, I thought it's impossible to teach them more normal movements with all the abnormality that they show. So first one has to clear up the table. First one has to stop, nowadays inhibit, the abnormal patterns before you can get more normal activity mm-hmm. going. Now with the inhibition or the stopping of the abnormal patterns, that they became less stiff. And so one could introduce more normal movements, but not just teaching them, of course, but by, as we call it, facilitating, making them possible. What I call facilitation is really three things. One is making something possible. Second is making it easy, and the third, even more necessary, more important, making these movements necessary by the way one handles the patient. But all this showed in the end that it wasn't only first stopping the abnormal and then getting the normal, but we can do it nowadays at the same time, and that's very important to keep in mind. When they have experienced a more normal movement, they would do it anyway. Mm-hmm. And the experience of normal sensations while being moved is the most important. And for the treatment, it's very important to realize that the reactions of the patients, the active reactions to being handled in certain ways, are really the same movement that he would do without being handled. Très, très bien. Oui, très, très bien. T'es occupé de chercher, hein? Il a un désir d'exploration visuelle. Il essaye. Mais il est victime de ses schèmes pathologiques. Il est victime. Donc ici, c'est un enfant qui pourrait donner un tableau d'être beaucoup plus handicapé dans ses membres supérieurs que dans ses membres inférieurs. Donc c'est un enfant qui est plus primitif dans ses membres inférieurs, hein, qui montre au fond qu'il a moins développé de pathologie, mais il a certainement développé beaucoup plus de pathologie au niveau des membres supérieurs. Okay, c'est la raison pour laquelle, ici, je n'attache pas tellement d'importance au niveau des membres inférieurs, mais que la position assise est tout de même un prérequis fondamental pour cet enfant. Frédéric est un enfant de 4 ans. Il est très handicapé. Sa présence est justifiée ici dans le contexte d'un cours de formation Bobat. Afin d'illustrer les cours théoriques et mieux comprendre les raisons pour lesquelles un enfant peut avoir des difficultés à bouger, Frédéric, pour assumer sa sauvegarde, a choisi l'immobilité. Il est privé de sensations, il ne sait pas comment bouger. Il se sent complètement démuni face à tout changement
et cela influence son comportement. Enlève ta main. Oui. Enlève ta main. Oui. Encore. Pouf. Non, c'est pas bien ça. Ce n'est pas bien ça. Oui. Oui, merci. Oui, et vous pouvez voir, c'est pas un spasme, c'est la tête qui tombe en arrière. C'est qu'une fois les spasmes inhibés, je n'ai plus rien. Hein? Non, ça c'est pas bien du tout. Merci. Oui. C'est pas trop mauvais. Mais c'est la seule manière qu'il a de bouger, c'est choisir l'hypertonie. Ça, c'est la seule manière de bouger. Bien, 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 bien. Ok. Je le fais encore? Encore? Oui. Alors, attends un peu. L'autre jambe. Oui. On va essayer de travailler de manière un peu plus dynamique. Bien, 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 bien. Ok. Encore. Encore. Et je ne sais pas revenir. J'en ai pas les moyens. Hein? Donc, quel moyen puis-je utiliser pour me redresser? Et ce que j'ai compris, c'est que certaines activités le motivent et l'intéressent. Une autre chose que j'ai compris, c'est qu'il faut absolument qu'il développe l'orientation au niveau spatial, visuel. Donc là, j'ai aussi de travailler dans ce domaine-là. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il aime bien les phénomènes de cause à effet. Dans le sens que quand il voit qu'un désastre a lieu, que ça le motive beaucoup plus. Et mais j'attends maintenant, chaque fois que je lui présente un objet, qu'il me donne quelque chose. Bien, parfait, merci. Bien. Hop, hop. C'est soit passif, soit hypertonique. Et c'est la raison pour laquelle je préfère même maintenant peut-être un peu essayer de travailler avec un enfant qui pleure, mais obtenir qu'il soit beaucoup plus actif au niveau de son tronc. Oui, bien. Et je vais un peu négliger son pleur, dans le sens que je voudrais qu'il soit un peu plus d'autonomie et qu'il rouspète et qu'il se fasse sur moi et qu'il devienne... Oui. Oui, merci. Merci. L'autre? Oui, j'ai aucune prise en charge. D'accord, au point de vue modificabilité. Et c'est pour ça que quand j'ai dit je vais maintenant travailler sur ce qui est un peu plus essentiel chez lui, au prix de pleurs, c'est un pari que j'ai fait, dans lequel je me suis lancé. Et je savais que quand je travaille dans cette direction-là, je me mets des gens à dos parce que beaucoup de gens ne supportent pas les pleurs. D'accord? Mais son pleur était très nuancé et c'était un pleur dans lequel je pouvais à un moment donné avoir la capacité d'avoir peut-être la possibilité de pleurer sans devenir hypertonique. Bien, est-ce que je t'habille maintenant? Oui? Oui? Il veut pas, il veut rester ici. Hein? Alors, je t'habille. Il veut rester ici. Oui, clairement, il a une capacité de compréhension. C'est pour ça que c'est un enfant avec le niveau cognitif supérieur au niveau moteur. D'accord? Ce qui laisse supposer des possibilités. Favorables, positives, un potentiel disponible. Seulement, de gros problèmes au niveau personnalité plus tard, étant donné qu'il sera beaucoup plus frustré plus tard si son développement cognitif continue. C'est un enfant qui va faire des progrès, et il a fait des progrès depuis qu'il est ici au point de vue relationnel, d'accord? Mais est-ce qu'il va payer le prix de plus d'hypertonie, de plus de passivité, donc de plus de frustration? Ça, c'est pour moi la plus belle séquence ici, ok? En ce sens qu'ici, cette séquence-là est une séquence où on voit ce qu'elle fait tout le temps. Regardez ce qu'elle fait. Vous vous souvenez ce que je faisais avec Frédéric, les bras le long du corps, pour assurer une stabilité du tronc. Mais en même temps, avec les bras, elle fait tout le temps un mouvement de, je dirais, de dissociation dans les bras pour essayer d'étendre les épaules pour empêcher qu'il se fixe. Et en plus, sa position par rapport à lui, elle est assise, elle lui donne une stabilité des genoux, elle lui parle et lui inhibe ses spasmes d'extension. C'est-à-dire qu'il peut avoir énormément de nuances. Et là, elle est appuyée par rapport au fauteuil. Et encore une fois, c'est un matériel tout à fait classique comme on peut trouver dans n'importe quel intérieur. OK? Ça, je pense que c'est une chose intéressante. Et elle a bien compris ce que c'est qu'un spasme, vous pouvez voir. Et au fond, c'est devenu une véritable petite thérapeute en herbe qui agit
Oui. Il y a le même tapping que j'ai utilisé avec Frédéric, mais à part qu'on pouvait voir clairement que la tête a un spasme en flexion qui pousse la tête vers le bas. Oui. C'est vraiment génial. Oh, probablement, oui. Oui. Elle connaît plus d'une technique de traitement, vous allez voir qu'elle va encore combiner. Donc l'inhibition ici, un tapping, ok, mobilisation des épaules, elle va compter également, un, deux, monter, compter. C'est génial. Ça tire plus à droite qu'à gauche. Ouais. Ce week-end, tu rentres à la maison? Oui. Oui. Dès qu'il parle, il repeint. Oui. Hein? Il a besoin de ça pour bouger encore pour le moment. Mm-hmm. Et pour s'exprimer. Vas-y, les deux, assieds-toi encore. Vous voulez un peu sentir ce qui se passe? Oui. Toi? Ok, ça c'est très très bien. Oui, oui, mais je lui dis et c'est trop. Je sais mieux venir du même côté que toi. Oui, d'accord. On change. C'est Corinne. Viens vers toi maintenant. Moi, c'est Hervé. Ok, c'est Corinne qui va te prendre. Assieds-toi encore. Assieds-toi. D'accord. Assieds-toi. Ok. Assieds-toi. Alors. Assieds-toi. Allez, assieds-toi, mon vieux. Avant tout, garde un contact avec lui pour qu'il t'aide. Tu vas aider à ce qu'on change? Je vais prendre la place. Ok, il a dit oui, tu peux compter sur lui. D'accord. Pousse sur tes pieds pour aller en arrière. Oui. Allez, vas-y, pousse. Peut-être, oui. On peut essayer. Et voir comment ça se passe. Parce que... Allez, donc, oui. Tu pousses. Il a beaucoup... Attends, il n'a pas d'activité. Pousse. Pousse. L'autre. Si, voilà, regarde, tu pousses bien. L'autre. Si, celle-là. Good. Celle-là. Good. Celle-là. Très, très, très bien. Celle-là. Voilà. Il organise mieux. Donc, si je travaille là, c'est trop dur pour lui. Mais si je travaille là, c'est moins dur pour lui. Pour quelle raison? What I was very impressed about what you teach us, that you said once that you learn a lot from your mistakes. So, I learned more from mistakes, from one's mistakes, than from anyone else. So it was, in these first years, every treatment I gave was a question mark. Will it work? Won't it work? If it worked, why has it worked? What does the patient need? What is wrong? All the time, questioning, and trying to find an answer. And that led in the end, I suppose, to a concept, but it took a very long time. It was really for years that every treatment I gave had to work. It had to give results. And if it didn't, then I probably had made a mistake or did something. So it was constantly checking up on myself. And that was difficult, but it was exciting. So then I made mistakes to realize it was a mistake and then not to do it again and to try to go another way about it to get what I really wanted. So it was a very living thing, the treatment, and it was sometimes very difficult if it didn't work. I went home, it was quite depressed, you know. Mm-hmm. But I had to find ways of making it work. Because you have a very great experience, you have more than 40 years of experience in cerebral palsy. Yes. And you never lost your enthusiastic in your... No, because it was never the same. It was never could become a routine. It was always a question mark, and which I don't always, I can't answer all the questions either. But I could go on experimenting. And I think that sometimes I miss with my students. They take for granted what is written by me or by other people. They think it in way of exercises which have to work just because it may work with one patient, may not work with another patient. So they rely on such routine treatment instead of questioning all the time and experimenting and then finding out what works and what doesn't work. To explain it all is a further matter.
I mean, I tried to explain it. My husband has, of course, done an enormous job in explaining to me what I did and what was behind what I did. On sait que ces enfants-là se développent des déformations orthopédiques, ça on sait. Oui. Non? Ok. C'est pour ça que le mettre en assis-tailleur peut avoir certaines répercussions sur son avenir. Dans le sens que, à 14 ans, comment il sera? C'est une chose importante à se poser. Entre autres, par exemple, quand il aura 14 ans, on n'aura plus l'âge qu'on a. Hein? On sera quand même un peu plus vieux. Et puis, est-ce qu'il pourra encore tenir sur ses jambes pour mettre son pantalon, pour le mettre à la toilette? S'il peut tenir sur ses jambes, c'est quand même un avantage. Même ne fût-ce que pour un peu se déplacer. Oui. Alors, s'il est tout le temps en assis-tailleur, les muscles risquent de se rétracter, de devenir trop courts. Lorsqu'il a besoin d'une intervention chirurgicale, il y a un cercle vicieux qui se perpétue. C'est pour ça qu'on a une certaine approche qui est tout de même importante de savoir comment se comporter avec lui. C'est pour ça que ce qui serait intéressant de savoir qu'est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire comme progrès avec Michael. Quels seraient les plus gros progrès qu'il pourrait encore réaliser comme ambition? Quelle est l'ambition de sa maman à ce sujet? Alors maintenant, je l'ai placé dans cette position-là. Moi, je ne veux pas que les jambes se croisent. Parce que maintenant, les jambes qui sont tendues comme ça, c'est exactement la même position qu'ont les jambes quand ils doivent être debout. Et ce que je voudrais absolument pas, c'est qu'on doit un jour faire une intervention chirurgicale avec lui. Mmh. Étant donné que j'ai bien mentionné que de temps en temps, ses jambes sont raides et ses jambes sont molles. Vous savez que cette raideur n'est pas continuelle. C'est que derrière la raideur, il y a la mollesse dans les muscles. Ce qui veut dire que si on doit faire une intervention chirurgicale, on ne sait pas sur quel tableau on va aboutir. Mmh. Je crois que ça, c'est important. Je pense qu'il y a en Belgique probablement un problème dans le sens qu'on voit les enfants au jour le jour. Et moi, je pense qu'il faut surtout penser à l'enfant, comment il sera demain, quand il sera dans 5 ans, etc. Et le fait de penser à son avenir, à ce qu'il pourra se débrouiller tout seul, je pense que c'est un excellent raisonnement. Dans le sens, c'est comme ça qu'il faut penser. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut trouver des systèmes qui soient adéquats par rapport à son âge. Par exemple, qu'il soit debout le plus possible, en visage, que s'il pouvait un peu plus aider à ses déplacements debout, il serait beaucoup plus actif. Voilà. Alors, lui tenir le derrière. Juste ce qu'il faut. Pose bien, toi. L'enfant ne peut utiliser que ce qu'il connaît. Chacune de ses tentatives de bouger le confirme dans son handicap. Les parents qui ont bien compris cela saisissent mieux ce qui se fait en thérapie et assurent une meilleure continuité à domicile. De plus, ils acquièrent une vue plus réaliste de la manière dont l'enfant pourra évoluer à court et à long terme. Voilà, parfait. Redresse-toi bien. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Ok. Alors, ça c'est chouette ça avec. Regarde ça, comme elle saute ce truc, cette moto. Ah, c'est bien ça. Ok. Tu te remets debout. Maman, je dépasse un tout petit peu les pieds. Tu reprends la manette. Voilà. Ok. C'est déjà un peu resté là. Oui. Allez, tu joues. Tu nous montres un peu comment ça fonctionne. Montre un peu comment ça fonctionne. Regarde bien. Voilà. Oui, c'est pas mal du tout ça. Regarde. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah! La musique est pas mal hein, dans ce truc-là. Hein? Et... Encore. Tu laisses un peu maman. Tu mets ta main sur la cuisse de maman. Allez, et tu pousses sur la cuisse de maman. Encore, encore, pousse sur la cuisse de maman. Encore. Encore. Voilà, encore. Bien, Michael, merci. Nous sommes ici dans un centre pour paralysés cérébraux et ce centre comprend une école. Alors la facilité que nous avons, c'est que toutes les thérapeutes peuvent venir en classe et travailler avec nous. Je suis institutrice, alors je travaille dans une classe où les enfants n'ont pas de communication orale et je leur apprends le langage Bliss. Comme vous le savez, dans le langage Bliss, chaque symbole représente un mot. Ils sont présentés de différentes couleurs, les personnes sont en jaune, les actions... dans les couleurs vertes, et les objets, les animaux, ici, sont présentés dans les tons orangés. Alors, avec Valérie, j'éprouve des difficultés à lui expliquer un symbole Bliss,
parce que je dois toujours lui présenter du côté gauche. Et son champ visuel se porte du côté gauche, est assez rétréci. Alors, elle n'a pas la possibilité de travailler sur toute sa tablette, ce qui serait quand même plus aisé pour elle. Alors, avec une logopède, je travaille au tapis pour améliorer ses possibilités de communication. Et Valérie, tu vas nous aider, s'il te plaît, hein? Comme on travaille d'habitude avec Karine. Tu vas t'asseoir maintenant, oui? Et puis on va te mettre assise à la grande table. Et tu vas t'asseoir à la table. Oui? Et on va travailler ensemble, alors. Hein? Oui? Tu vas expliquer à Karine ce que tu as demandé à maman. Tu as écrit une lettre? Elle a écrit une lettre à sa maman, un message. Maman l'a reçue déjà? Pas encore, c'est une surprise pour vendredi. Petit à petit, dis Valérie, tu vas te détendre. On va t'asseoir sur le tapis. Et puis nous irons à la chaise. Valérie, ça... C'est oui. Pas de l'enseignement, ce que vous faites. Pour le moment, on la prépare pour arriver à libérer sa motricité, à ce qu'elle ne soit plus tyrannisée par ses spasmes, à essayer qu'elle soit plus symétrique, et elle peut organiser... petit à petit la station assise, elle peut regarder plus facilement, elle contrôle beaucoup mieux sa tête, et c'est une situation qui lui permet de communiquer de façon plus naturelle. Voilà, ça c'est bien. Tu sais quoi, elle est trop relâchée maintenant. On va t'asseoir sur la chaise. Dis, il paraît que maintenant, on entend bien quand tu dis oui ou non, Valérie. Je trouve qu'il est nécessaire qu'elle dise oui, d'autant plus que quand elle utilise ses symboles bliss, on procède généralement par choix multiple, tout au moins pour elle, et il faut qu'elle puisse dire si c'est le symbole qu'elle a choisi, qu'elle désire montrer ou non. T'as sur la chaise? Oui, mais tu dois... Essaye de mieux le dire. Vas-tu sur la chaise? Moi, pas beau, oui. Valérie. Bien. Très bien. Bien aidé. C'est oui. Oui, je le mets. Valérie. Est-ce que ça vient manger à l'école? Valérie, tu ne vois rien, là. Rien du tout. C'est très bien, dis bien le nom. Regarde le symbole et tu me dis non. Tu as bien commencé. Faut achever ton nom, Valérie. Regarde le symbole, Valérie. Je peux le placer devant dans les acteurs. Voilà, très bien. Jean-Marc a 24 ans. Il vit seul. Il se déplace en chaise roulante électrique. Mais il est encore dépendant de ses parents pour ses déplacements. Acquérir plus d'autonomie debout et à la marche lui donne des alternatives dans ses moyens de locomotion et répond ainsi de manière ponctuelle à une nécessité de la vie quotidienne. Jean-Marc. Alors là, les escaliers, c'est toujours la panique, j'imagine. Alors, mets bien ton pied devant,
Oui. Oui, c'est bien. Parfait, impeccable. Contrôle. Oui. Avant que ton pas, assure-toi que tu as un pied bien posé. Voilà. Ok. Pied bien posé. Tu redresses la tête. Oui. Bien. Oui. Tu contrôles. On se repose un moment. Reste comme ça. Voilà, c'est très bien. Quelque chose qui manque. C'est ce qui manque, le poids du corps sur ce côté-là. Voilà, ça c'est très très bien. Vas-y. Pas bon, hein, mon vieux. Poids du corps. Ok. Right. Tu enlèves ta veste? J'ai connu un moment il y a 6 ou 7 ans. Je suis à télé, il donnait du moment. Et là, je suis une proposée en séance moment avec Paul. Puis on a un peu continué, mais j'ai dû changer de centre parce qu'elle était trop âgée. Là, on a arrêté le moment et j'ai senti la différence. Depuis le lendemain, femme et des besoins, j'ai repris le moment avec Paul. Pourquoi? Parce que c'était mes doigts qui m'apportent beaucoup plus dans ma vie personnelle, dans mon logement et tout ça. Avoir une meilleure stabilité debout. Et surtout ça qui compte. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas toujours rester en retraite. Donc, il faut sortir de la retraite. Et c'est maintenant que je sens les améliorations rapidement. Et c'est une amélioration déjà maintenant. Et ça fait que depuis le mois de juin que j'ai repris. Donc, je sens vraiment la différence. Tends bien tes bras. Mets bien en appui. Voilà. Et tout doucement, et en avant, tu mets en charge. Ouais. Vas-y. Doucement. Doucement. Bien droit et tu redresses la tête. Voilà. Bien en charge. Oui, ça c'est très bien. Tu es bien droit comme ça. Voilà. Alors, ce que je simplement, si tu pourrais maintenant pousser un peu sur tes bras et quand tu sens tes fesses toucher le rouleau, tout doucement, tu peux simplement poser, stop, et puis tu relèves. Hein? Juste pour apprendre à doser ton mouvement. C'est là que ça, c'est là, tu vois, c'est ça. Oui, oui, je sais. Mais c'est pas tout à fait le contrôle en arrière, mais c'est le contrôle de la hanche dans toute la position. Et pourtant, c'est pas qu'il manque pas de muscle. Non, là, pas du tout. Mais c'est simplement comment il l'utilise. Mm-hmm. Oui. Alors, Jean-Marc. Tu dois regarder dans la vie quotidienne, ce qui se présente, c'est qu'il a quand même un moyen de locomotion qui est la chaise roulante. Et je pense qu'à partir du moment où on met une personne de son âge dans une chaise roulante, il faut également donner la possibilité d'entrer dans sa chaise roulante et de sortir dans sa chaise roulante, c'est-à-dire l'autonomie. Alors ce sont des éléments, des activités de base, fondamentales, ne fût-ce que pour entrer dans une maison comme celle-ci, c'est nécessaire de quitter la chaise roulante et là encore, il a besoin d'éléments, je dirais, fondamentaux pour pouvoir se déplacer. Il y a quelque chose qu'on peut améliorer ici. C'est très bon, ça. Ici, surtout, il y a un problème ici. Oui. C'est bien, ça. Si on mettait les mains un peu plus... Plus? Rapprochées. Ah, parce que... Oui, mais... Est-ce qu'il ne va pas perdre son point d'appui? Oui, mais... Oui. Je pense que c'est juste... Mais il ne faut pas demander trop, hein. Non, mais... Je ne suis pas trop ambitieux, moi.
Parce que ce que je veux, c'est justement essayer d'obtenir une plus grande stabilité au niveau des épaules. Et je dirais que ça, plus près, il va perdre plus d'équilibre. Oui, mais je trouve que... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est dur là-dedans, Jean-Marc? Les pieds. C'est les pieds? Oui. Tu as du mal à garder tes pieds au sol, là. Ah, oui. C'est vraiment le problème chez lui. Même si les progrès sont moins évidents, travailler avec un adulte présente des avantages. Il a une excellente compréhension, il est motivé. Cela permet de convenir d'un objectif commun. Therefore, my first lecture was, observe, be guided by the response of the patient to what you do. You may make mistakes. Make them once, make them twice, but don't repeat them a third time. Learn from your mistakes. I'd like to add here, I think that the treatment really is not nothing, but a lot of common sense. Common sense, observation, and experimenting. Now, common sense is missing more and more the longer we are working. Everything as it becomes more and more scientific and being statistically evaluated, etc. Where is the common sense? Common sense is something that is missing in so many. And I think it's probably still based on common sense, whatever we do, and would be understood by people who have common sense. And our students should develop common sense and go off the idea that everything has to be highly scientifically explained, what you do with your hands. With regards to this, and because of the fact that we got and we get from you such a, you know, wonderful and rich heritage, what would you suggest us for the future to develop on? I always give this example, I don't know whether it's a good one, when I once saw on the television, I think, an Indian family, the whole family was making a carpet. And that carpet started with a little pattern in the middle, and then all the family sat around in a circle and having their strings of carpet there, and they all worked together, and it became the same slightly changed pattern all through the carpet, even when it became very, very big. And I think this is how I would wish it to develop, that the kernel and the basis of it remains the same, while many things are being enlarged, that things are discarded perhaps, that are useless, where that can go on forever. Because it isn't finished, and it never will be finished.